Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Coucou. Cette semaine, on n'arrive que le mardi parce qu'on a laissé la place à Step Back, le podcast basket entièrement dédié à Kobe Bryant cette semaine. Si vous voulez aller y jeter une oreille, hein, c'est un très joli épisode. Sans transition, donc le match qui fait croustiller le tournoi destination, c'est France-Angleterre et c'est ce dimanche. On va donc parler de France et d'Angleterre, en se penchant d'abord sur ces bleus, nouvelle formule, leur nouveau sélectionneur Fabien Galthié, leur nouveau jeu, leur nouveau tout. Puis on dira un mot des Anglais, chahuté par l'affaire des Saracens, mais dont le sélectionneur Eddie Jones veut faire de grandes choses. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Alexandre Bardot, salut Alex. Bonjour. Dominique Isartel, salut Dom. Salut. Et Renaud Bourrel en direct de Nice, salut Renaud. Coucou. Vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. Avec le forfait de Camicha blessé au mollet, l'équipe de France vient de perdre à peu près la moitié de ses sélections. Les 26 caps du talonneur du Racing sont remplacés numériquement dans le groupe des 42 par les zéro sélections de son collègue du Racing, Teddy Bobigny, 21 ans. Donc ils sont tout nouveaux, tout beaux, les joueurs de l'équipe de France, vraiment tout nouveaux, vraiment, vraiment tout nouveaux. Et ils sont en stage à Nice, sous les yeux du pack complètement nouveau, mais du tout beau Renaud Bourrel. Renaud, toi qui as vécu plusieurs airs de sélectionneur, tu sens un nouveau souffle, une nouvelle ambiance dans ce groupe France ? Bah déjà, je ne peux que valider tout ce que vous avez dit pour me lancer. Hein. Ça, c'est une première chose. Que dire sur ce stage ? Qu'effectivement, il est très agréable pour plein de raisons. D'abord parce que beaucoup d'enthousiasme, de fraîcheur, des joueurs contents d'être là, un staff content d'ouvrir et de montrer comment il travaille, ce qu'il fait, comment il avance. Bon, ça nous change, hein, déjà la dernière Coupe du Monde, et puis du dernier staff. Non, vraiment, pour le moment, c'est quelque chose de plutôt agréable et positif à suivre, et surtout d'intéressant, parce qu'ils ont fait le choix d'ouvrir pour illustrer un peu toutes leurs intentions et pour bien faire comprendre au grand public ce qu'était la haute intensité, l'utilisation des données, qui sont pas des choses neuves, mais auxquelles on a très rarement accès, que ce soit dans les clubs qui sont souvent fermés à double tour, ou parce que les managers aiment bien garder un peu leur secret de fabrication. Là, ils ont décidé d'être, en tout cas en ce début de tournoi, transparent, et ça rend les choses vraiment, vraiment intéressantes. Après, savoir si ça va marcher, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour le moment, effectivement, il y a un vent de renouveau sur l'équipe de France de rugby, et donc c'est plutôt positif. Et c'est entraînement ou ils sont un peu libres, ils font d'autres choses ? Non, c'est vraiment. Enfin là, ils sont vraiment ils sont concentrés sur l'entraînement. Les journées sont assez denses. Après, ils ont passé une soirée à la montagne. Ils sont montés dans un refuge pour faire un peu de team building, hein, comme on dirait chez Eddie Jones. Comme dans les bronzés. Voilà, c'est ça. Ils ont fait un peu de marche, je crois, dans la neige. Ils ont mangé une raclette. Ouais, exactement. Hein, ce qui est assez étonnant quand on a agrandi son staff de deux nutritionnistes, mais bon, c'est comme ça. C'était voilà. Une raclette light. C'était une raclette light, ouais, exactement. Mais non, sinon, sincèrement, oui, ils travaillent énormément. Bon, après, les autres travaillent aussi, hein. Mais là, ils ont envie de montrer ce qu'ils font. Je le répète, mais c'est intéressant. Est-ce que dans les discussions qu'il y a avec le staff, avec les joueurs, il y a chez eux la peur quand même que ce rythme de travail les épuise un peu en vue du match de samedi, de dimanche, où ils ont la certitude que les joueurs seront capables d'encaisser la charge de travail? Tout l'intérêt de la data et de travailler avec toutes ces données GPS, c'est justement de trouver le bon équilibre entre travailler beaucoup pour se rendre le match facile, mais en même temps ne pas dépasser les bornes pour exploser derrière. Donc vraisemblablement, c'est anticipé. Voilà. Dans le quotidien, vous faites toute une série sur le staff des Bleus qui s'est élargi. Ça se ressent au quotidien dans ce que tu peux voir par rapport à ce que tu as vu avant, Renaud, avec les autres staffs, cet apport de compétences nouvelles ? Alors, en fait, ce qui est assez étonnant, on l'avait un peu vu quand même pendant les derniers entraînements de la Coupe du Monde, mais c'est comme la préparation athlétique se fait en même temps que la préparation technique et tactique.
Il y a une nuée d'entraîneurs sur le terrain, qui sont vraiment au milieu du terrain pendant que les joueurs s'opposent. Et ça fait une espèce de... Ouais, je crois qu'on l'a écrit, une sorte de ruche, ça fourmille un peu de partout. Et c'est rare que ça fourmille dans une ruche. Je suis pas spécialiste, hein, mais bon. Non, mais enfin, voilà. Il y a tous les entraîneurs qui sont au milieu du terrain pour observer les attitudes. C'est pas comme les entraînements auxquels on avait l'habitude. Fut un temps où dès qu'un ballon tombait, il y avait coup de sifflet, on arrêtait, on réexpliquait, on corrigeait. Non, là, on va au bout de la séquence, elle dure 3 minutes, elle est hyper rythmée. Il y a 1 minute de pause et puis on débriefe la séquence. Là, le joueur s'adresse soit à l'entraîneur auquel il pose une question, soit à l'entraîneur qui a repéré un truc sur la mêlée dans le lancement de jeu précédent, sur la touche, sur le ballon porté, sur le lancement de jeu, se dirige vers le joueur à qui il doit corriger une course, une attitude, une façon de jouer. Donc voilà, tout se passe comme ça, c'est chronométré, c'est timé. À l'œil nu, effectivement, c'est hyper précis. Donc je me répète, c'est intéressant. Après, moi, je ne peux pas vous dire si ça va marcher ou pas contre les Anglais. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant à suivre. Mais est-ce que tout bêtement, on ne touche pas pour la première fois vraiment à l'hyper-professionnalisme du rugby, quoi? Bah, ce que disait Gaël Ficou cette semaine en conférence de presse, quand on lui pose un peu la question, c'est voilà, vous êtes à un staff qui n'a jamais existé dans cette dimension-là, dans cette technicité-là, dans cette précision, avec des coachs avec un CV reconnu. Il disait que effectivement, ça fait 7 ou 8 ans que beaucoup de nations travaillent comme ça, et que les sélectionneurs précédents n'ont juste pas la chance qu'on leur donne ces moyens-là. Aujourd'hui, ils les ont et effectivement, c'est tant mieux. En fait, c'est ils ne font que rattraper, effectivement, comme disait Ficou et Renaud, ils ne font que rattraper ce qui existe par ailleurs aujourd'hui. Et tout ça, ce ne sont que... C'est-à-dire un staff aussi large, avoir 42 joueurs sur le terrain, ce type d'entraînement à haute intensité, ce sont des préalables à la performance. C'est des préalables obligatoires aujourd'hui. Jusque-là, l'équipe de France ne disposait pas de ça, donc elle ne pouvait pas vraiment réussir sur la durée et même pas réussir des coups. Mais comme elle ne fait que rattraper un retard, le fait de faire ce qu'elle fait aujourd'hui ne va pas obligatoirement conduire l'équipe de France au succès, notamment immédiatement, quoi. Mmh. Ça va juste lui donner un peu plus de chance, mais ce qu'elle fait depuis 2 semaines et toutes ces conditions et tout ce projet qu'on voit ne veut pas dire qu'elle va battre l'Angleterre dès dimanche. On dit souvent que copier, c'est déjà être un peu en retard. Justement, Renaud, est-ce qu'il y a quand même des choses où on sent que l'équipe de France innove? Bonne question. Est-ce qu'on sent... Je saurais pas vous le dire parce que je sais pas, j'ai pas assez de recul sur ce qui se passe aujourd'hui chez les Sud-Africains, chez les Anglais ou chez les Néo-Zélandais. Pour le moment, j'ai plutôt le sentiment, oui, effectivement, qu'on grignote un peu le retard dans l'organisation. La complexité, en fait, aussi pour le staff, je pense, là aujourd'hui, c'est que ils sont dans une forme d'obligation de faire simple, parce que quand on a 2 semaines pour préparer un match, 2 semaines à la fois, c'est beaucoup, mais ça laisse pas non plus le temps d'aller vers de l'ultra complexité comme une préparation à la Coupe du Monde. Donc, je suis pas sûr que, par exemple, en termes techniques, on voit contre l'Angleterre, en termes de stratégie, on voit contre l'Angleterre des choses nouvelles ou révolutionnaires, même si tout ça doit faire partie des réflexions de l'équipe de France, mais du staff de l'équipe de France. Mais je pense qu'on risque de se rapprocher quand même de ce qu'on a vu pendant la Coupe du Monde, qui était par moments très très intéressant, par d'autres moments beaucoup moins. Mais il y a eu des bouts de match sur les 4 matchs joués par l'équipe de France à la Coupe du Monde, il y a eu des bouts de match hyper intéressants. S'ils arrivent à reproduire ça sur la durée d'un match, alors ça commencera à devenir une équipe de haut niveau. Justement, Renaud, t'as une idée de ce qui va être déployé côté jeu? L'équipe ne sera dévoilée que jeudi, mais je peux sans faire tapouki. Je sais pas s'il y a des directions qui sont données déjà ou... Ils ont beaucoup insisté sur trouver une identité, une culture qui collerait au jeu français. Après, Fabien Galthié est quelqu'un qui a plutôt un tropisme offensif, avec de l'ambition, mais sans se départir des fondamentaux. J'ai l'air bien malin maintenant, parce que je vous ai un peu tout dit, là. Dirait Pierre Villepreux. C'est à peu près ça, oui, exactement.
Je peux vous le refaire avec le cheveu sur la langue. Mais je pense qu'ils ont voilà, la volonté d'avoir leur ballon, de très bien exploiter les ballons rendus par l'adversaire et puis surtout de ne pas tomber dans les pièges. Ce qui revient beaucoup dans la bouche des joueurs avec, depuis que Galtier a vraiment tout pris en main, c'est sa grande connaissance tactique et sa façon de lire les adversaires et de proposer un système en fonction de cet adversaire. Je pense qu'à ce niveau-là, ils seront au point. On peut penser aussi qu'il y aura, parce que c'était aussi un des chantiers forts de Galtier pendant la Coupe du Monde, une stratégie de jeu au pied très précise et très stratégique, enfin très, comment dire, une utilisation qui ne sera pas dans l'idée de se débarrasser du ballon, mais plutôt de mettre la pression dans certaines zones, ce qui avait plutôt bien fonctionné contre les Gallois. Et aussi, ce qu'on avait déjà vu aussi pendant la Coupe du Monde et qui va être accentué avec l'arrivée de Sean Edwards, c'est une défense très haute, avec des ailiers qui vont fermer, une couverture avec deux joueurs derrière, le 10 et le 15, pas de deuxième rideau, le 9 qui monte dans la ligne, des plaquages offensifs à deux si possible. Là, c'est des choses qu'on va revoir, et tout ça pour notamment mettre la pression et puis créer des ballons de récupération, ballons sur lesquels, a priori, les joueurs français, quand on voit le talent qu'il y a derrière sur la ligne de trois quarts qu'on peut imaginer avec... si on part Dupont, Tamac, Vakatawa, Afiku, Thomas, Penaud, Boutier ou Ramos à l'arrière, on ne sait pas trop, mais quand même, ça va très très vite, c'est des joueurs inspirés. Ouais, mais par contre, beaucoup de solistes, c'est ce qu'il faut noter, c'est que beaucoup de joueurs de duel et peu de joueurs de passe. C'est ce qui a marqué un peu sur les deux oppositions auxquelles on a assisté, en fait, c'est la facilité de réactivité des joueurs, enfin, en tout cas du 15 de départ qu'on pourrait un peu deviner, mais notamment sur la première opposition, alors pas contre les militaires, mais de l'équipe de France, des joueurs de l'équipe de France entre eux, c'est la façon de jaillir de Penaud, Vakatawa, Dupont, enfin en soutien les uns des autres sur les ballons de récupération, Teddy Thomas évidemment, c'est quelque chose qui a été assez marquant et d'ailleurs qui a beaucoup fait lever les supporters venus assister à cet entraînement. Et ça ressemble tout à fait à ce que Alex vient de décrire dans les intentions du staff. Et la question, finalement, et là, je précède l'enchaînement de Christelle, c'est est-ce que cette équipe de France va être capable de faire face, à un match qui serait stratégique, basé sur de l'occupation et un jeu de pression des Anglais, puisqu'elle n'a pas forcément d'armes, notamment un deuxième pied au centre, pour contrer ça. Et puis, deuxième truc, est-ce que cette équipe de France sera capable de réagir à l'intensité physique et, et au contexte international, sachant que, comme l'a dit Eddie Jones lors d'une conférence de presse, c'est une équipe de France très jeune. Beaucoup de joueurs ne savent pas ou ont une expérience faible du niveau international. Et lui, il promet qu'en tout cas, que les joueurs aujourd'hui de l'équipe de France, que ce que l'Angleterre va proposer dimanche, les joueurs de l'équipe de France ne l'auront jamais connu et qu'ils n'auront pas forcément quelqu'un sur qui se reposer sur le terrain pour les guider. Et effectivement, c'est une question qu'on peut se poser, comme la question de « et si le match tourne au combat stratégique, est-ce que la France aura les armes ?» Tu vois, toi, s'il y a des leaders un peu qui se détachent dans ce que tu vois, Renaud ? Les leaders sont un peu ceux de la dernière Coupe du Monde, mais sauf qu'ils sont plus éclipsés par les anciens qui étaient Guillaume Guirado, Louis Picamol, Johan Huget ou Maxime Médard, parce qu'on parle de leader souvent par rapport à l'âge, mais si on se souvient bien de la Coupe du Monde, qui a émergé de cette Coupe du Monde, c'est Olivon qui est là aujourd'hui, Poirot. Il semble vraiment qu'il veuille donner les clés du camion à Antoine Dupont. Quand on discute avec Antoine Dupont, on a l'impression qu'il est tout timide, parce que voilà, il a une petite voix, il a un peu un ton monocorde quand il répond aux interviews, mais c'est pas, en fait, c'est pas le personnage qu'il est, quoi. C'est quelqu'un qui connaît très bien le rugby, qui adore ça, qui peut passer des heures en tête à tête avec Fabien Galtier à dessiner des schémas et à parler de jeu. Donc bon, il va pas haranguer à tout le monde comme les Français aiment en général voir un leader, mais en revanche, il connaît le rugby sur le bout des doigts, donc j'espère qu'on va pouvoir compter sur lui. On lui a posé la question là cette semaine, Fabien Galtier, il dit on n'est plus le même joueur à 10, 20 ou 30 sélections. Et il disait, moi maintenant je sais plus combien il en a, 20, 25, quelque chose comme ça, et il disait qu'il avait, non peut-être pas quand même, mais en tout cas que... la Coupe du Monde, les matchs qu'il avait joués lui avaient permis de mettre un peu le pied sur le frein, de plus lever la tête peut-être, d'être moins,
moins à l'impulsion, à l'énergie, comme le jeu qui l'a révélé, des choses comme ça. Donc, des leaders émergent, des leaders de jeu existent. Après, c'est sûr qu'ils n'auront pas le background de Ben Youngs qui a 90 sélections ou de Farrell qui en a autant. Ça, c'est sûr. Les Anglais, justement, eux, ils sont rassemblés au Portugal. On reste sur leur Coupe du Monde, notamment leur demi contre les Blacks. Donc, ils peuvent faire un petit peu peur aux jeunes Français. On sait aussi que l'affaire des Saracens a secoué un peu le rugby anglais. Dom, est-ce que ce grain de sable pourrait dérégler un peu la machine Eddie Jones? Tu peux peut-être nous réexpliquer un petit peu ce qui s'est passé avec les Saracens? Les Saracens, c'est donc l'équipe, le club du championnat anglais basé à Londres qui compte beaucoup d'internationaux puisque 8 d'entre eux étaient à la Coupe du Monde au Japon et 7 sont encore là pour préparer le tournoi. Donc qui va être rétrogradé en fin de saison en deuxième division anglaise, en championship, et qui est déjà sanctionné de 35 points dans le championnat actuel. Donc ils n'ont plus rien à gagner en championnat, puisque de toute façon, même si par miracle ils marquaient assez de points, ils ne pourraient pas rester. Donc la situation, c'est qu'ils ont dépassé le salary cap, ce qui est la raison de leur tracas. Et ils se sont mis à dos à cause de ça, énormément de clubs anglais. Donc on pouvait imaginer que peut-être les joueurs des autres équipes, je crois qu'il y a 11 ou 12 clubs représentés dans le groupe anglais, soit un peu furax contre eux. Donc Eddie Jones a tout de suite dit qu'il allait demander aux joueurs de mettre leurs différends sur la table, de poser leurs questions. C'était la première journée du rassemblement jeudi dernier, allait être consacrée à ça. Donc c'était l'idée de mettre ça à plat pour repartir pour le tournoi vierge de ressentiment, on peut dire. Et ensuite, la question qui se pose, c'est si ces joueurs ne se préparent plus, puisqu'ils n'ont plus que la Coupe d'Europe maintenant de haut niveau, comment ça va se passer avec eux pour l'équipe d'Angleterre? Mais ça, c'est une question qui viendra après le tournoi, de toute façon. Oui. Et apparemment, ce qui en est ressorti de cette réunion de jeudi dernier, puisqu'il y a eu une conférence de presse depuis, c'est que les joueurs disent... Bon, après, reste à savoir si c'est des discours de façade, si ils racontent tout de la réunion ou s'ils racontent tout de leurs propres sentiments, mais que, bon, il n'y avait pas de malaise, pas de tension entre les joueurs. On verra ce que racontera la suite. L'autre question aussi, c'est comment cette équipe-là sera remise de sa défaite en finale de la Coupe du Monde, parce que ça fait mal, de toute façon. Et peut-être que pour eux, ça fait encore plus mal, parce qu'ils sont... Ils ne sont pas passés au travers de leur finale, mais ils ont été moins performants qu'ils n'avaient été en demi-finale. Et du coup, bon, peut-être que ça peut avoir cassé une dynamique, ça peut avoir marqué des joueurs profondément. Et au moment de se retrouver, au moment de retrouver l'équipe d'Angleterre, on se pose la question. Autant il y a beaucoup de questions sur cette équipe de France, mais il y en a aussi beaucoup sur l'Angleterre. Peut-être moins, parce qu'elle a prouvé par le passé qu'elle avait quand même beaucoup de stabilité, un niveau de performance élevé, des joueurs de haut niveau, et un bon coach, etc. Mais il y a quand même la question de comment on se remet d'une finale perdue, une finale de Coupe du Monde perdue, quand c'est son objectif d'être champion. Les questions sont plus d'ordre psychologique pour l'Angleterre. Voilà, c'est vraiment ça. C'est comment le même groupe, ils vont à peu près. Il y a 22 joueurs qui étaient à la Coupe du Monde sur un groupe de 34. C'est un groupe plus réduit que la France. Et c'est voilà, la question, c'est de savoir comment ces joueurs s'en sont remis. Bon, Eddie Jones a dit qu'il de par son expérience, il savait qu'il y en a qui allaient avoir toujours ça en travers de la gorge et que d'autres l'auraient oublié. Apparemment, ils ont quand même fait un travail avec une psychologue entre la finale de la Coupe du Monde et aujourd'hui pour travailler là-dessus. Voilà. On en parle un peu, Renaud, des Anglais par chez toi ? Oui, on a posé quelques questions. Les joueurs avaient été... très attentif à la suite de leur parcours en Coupe du Monde. On se souvient qu'il y a le typhon Agibis qui avait dérouté l'Angleterre sur le chemin des Bleus, là, sur le dernier match de la... et inversement d'ailleurs, et vice-versa plutôt. Mais... Donc il n'y avait pas eu ce match contre l'Angleterre. C'est Baptiste Serin qui disait cette semaine « Moi j'aurais aimé le jouer ce match ». On avait fait une interview avec Johan Huget après la Coupe du Monde justement, qui disait que lui aussi il aurait aimé le jouer ce match parce qu'il était prêt. Les joueurs, ils sont toujours un peu orgueilleux. Ils veulent pas dire qu'ils ont peur, qu'ils sont impressionnants. Ils savent qu'ils sont, ils savent que c'est une très grosse équipe. Donc, mais ils donnent le sentiment d'être prêts. Ils
disent qu'ils l'étaient s'ils avaient dû les affronter pendant la Coupe du Monde, qu'ils auraient aimé se jauger face à eux. C'est ce que disait, Baptiste Serin, justement. Moi, de mon vécu à moi, j'ai l'impression d'avoir vu avec les Anglais deux des plus beaux matchs de ces 5-10 dernières années, deux des plus grands matchs même, entre la finale de la Coupe d'Europe remportée par les Saracens face au Leinster, qui était un monument d'engagement physique, mais aussi une partition tactique parfaite pour contrer le jeu de Leinster, qui était champion d'Europe en titre. Et puis il y a eu Alex était avec à côté de moi pendant le match contre la Nouvelle-Zélande en demi-finale, où là c'est pareil, ça a été une partition stratégique que moi j'avais jamais vue et qui était vraiment sublime. Et puis surtout un niveau d'engagement pareil. Rarement atteint. Donc, après, tu n'as pas vu Brive-Pau samedi. Oui, c'est ça. Bah, c'est ça aussi, mais bon, je ne vois pas tous les matchs, c'est ma faute. Mais... La seule chose où je ne suis pas totalement d'accord avec Eddie Jones, mais je pense qu'il ne m'en voudra pas, qu'il s'en fout en plus, dans ce qui devrait être la composition d'équipe, ou ce qui pourrait être la composition d'équipe qui démarrera contre l'Angleterre, du 1 au 15, il y a quand même pas mal de joueurs qui ont déjà affronté l'Angleterre, qui ont joué contre la Nouvelle-Zélande. Antoine Dupont a joué la Nouvelle-Zélande. Romain Tamak, le probable ouvreur, était en Coupe du Monde. Jerry Mevakatawa a joué les Néo-Zélandais. Gaël Ficou a 50 sélections. Damien Penaud a fait la tournée en Afrique du Sud. Ils sont assez nombreux. Entre connaître et maîtriser, il y a une petite marge. On est entièrement d'accord. Ouais. Et il se mesure à l'écart qu'il y aura au nombre de sélections des deux charnières qui vont très certainement s'affronter. Bah c'est sûr, c'est 95 et 79 sélections côté anglais. Côté français, on doit être à une trentaine de sélections. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne seront pas non plus tout vierges et ils ne seront pas surpris d'avoir les aiguilles dans le rouge au bout de 15 minutes. Quoi. Parce qu'en plus, il y a effectivement, quelques-uns auront vécu ce que le cauchemar de Twickenham l'an dernier, et donc ils savent à quoi s'attendre. Effectivement, il y a deux questions. C'est, est-ce que les Français seront capables de répondre au niveau d'intensité et de vitesse de jeu que les Anglais avaient imposé l'an dernier, notamment avec leur stratégie de jeu au pied? Et la deuxième question, est-ce que les Français seront capables de résister à un niveau d'intensité physique, mais là plutôt dans le contact, comme les Anglais avaient été capables d'imposer contre les Néo-Zélandais. Mais on ne sait pas non plus ce que les Anglais ont dans le moteur en ce moment, tant psychologiquement que physiquement, parce qu'on a un autre moment, on n'est plus dans une fin de préparation de Coupe du Monde, on est dans un tournoi, chaque joueur est retourné en club. Donc voilà, c'est comme avant chaque premier match du tournoi, on se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup d'inconnus et peut-être encore plus là parce qu'on ne sait finalement pas grand-chose de cette équipe de France-là et de cette équipe d'Angleterre. On en sait plus, mais avec des interrogations. Eddie Jones, justement, a fixé un objectif un peu particulier avant le tournoi, c'est-à-dire qu'il aurait très bien pu dire « Notre objectif, c'est de gagner le tournoi, de faire le grand chelem, un peu pour digérer cette finale de Coupe du Monde perdue. » Au contraire, il a parlé de jouer, de faire partie des équipes qui font rêver. Alors, on peut se demander si c'est pour vraiment titiller ces joueurs et utiliser un levier de les faire rêver, ou si c'est aussi pour leur enlever un peu de pression avant d'attaquer le tournoi. C'est sûr, c'est que ça fait réagir, hein, parce que dès qu'il dit quelque chose, tout le monde se jette dessus, et c'est vrai que ça donne l'impression que c'est lui qui endosse... Qui assume cette pression. Ouais, puis là, il lance le crunch, quoi, avec cette petite phrase là, enfin ces petites phrases sur le manque d'expérience des Français. Quelque part, il soulève un point qui est évidemment un vrai problème et que dont le staff d'équipe de France est lui-même conscient. Et quelque part, il met cette petite pierre dans le cerveau des joueurs français en disant « Bon, ben voilà, maintenant, à vous de prouver, parce que nous, ce qu'on vous promet, c'est du lourd. » La phrase, je vais la citer, hein, la phrase d'Eddie Jones, c'est une équipe de France jeune qui se construit pour 2023. Pour cela, il y a différentes façons de faire. Quand je suis arrivé en équipe d'Angleterre en 2016, j'ai gardé des joueurs d'expérience et intégré des jeunes. En rugby, les test matchs demandent de l'expérience et les Français ont décidé de partir pour ce tournoi sans. Ils ont peut-être tort, ils ont peut-être raison, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que cela va mettre ces jeunes joueurs à l'épreuve, car ils n'ont jamais été confrontés à l'intensité et la violence physique avec laquelle nous allons jouer dimanche.
C'est prometteur. Ouais, mais Woody Jones, quand il a récupéré l'équipe d'Angleterre, certes, elle avait été éliminée de sa Coupe du Monde en phase de poule, mais il avait quand même un noyau de joueurs confirmés, de très grands talents, et voilà, qui étaient passés au travers de leur compétition. Bon, ça arrive, mais il y avait ce qu'avait construit Lancaster avant lui, c'était déjà intéressant et prometteur. Fabien Galthié, il part pas du même pied, quoi. Il part d'une équipe, d'une génération de trentenaires, dont certains qu'il a écartés, qui n'ont connu que la défaite en équipe de France. C'est quand même pas pareil, quoi. Mmh. C'est plus un tas de cendres que ce qu'a connu Eddie Jones, qui était plus sur un tas de cendres, on va dire, moral à ce moment-là, qu'un bassin de joueur. Ouais. Voilà. Fabien Galthié, lui, il part d'une équipe avec des jeunes double champions du monde, avec des gars qui ont commencé à se construire une petite expérience sur les deux, trois dernières saisons. C'est pas du tout la même réalité, en fait. Donc, je pense pas qu'on puisse tirer des conclusions à la lumière de ce qu'a fait Eddie Jones sur ce que pourrait faire Fabien Galthié depuis qu'il est aux manettes, quoi. Vous risqueriez les uns les autres à faire un pronostic, ou vous pensez que c'est un peu compliqué, là, on part vraiment trop dans l'inconnu pour se prononcer? On a le droit à combien de secondes de silence avant que ça coupe? Non, là, ouais, pour moi, l'inconnu, c'est un truc qui est récurrent en équipe de France depuis des saisons, et notamment sur la Coupe du Monde, c'est l'indiscipline. Ça, c'est quelque chose, je n'arrive pas à savoir. Plusieurs fois, Fabien Galthié l'avait dit au moment des matchs amicaux, et puis ensuite pendant la Coupe du Monde, voilà, on sait qu'on a un problème d'indiscipline, donc on les travaille à la vidéo, on donne un médicament, et puis au match d'après, le médicament il marche un peu, et puis tout à coup il marche plus, donc on donne un autre médicament, et puis le match d'après, voilà, ça c'est quelque chose, bon, il faut espérer qu'ils ont réussi à le soigner. Et voilà, s'il y a de la discipline et que tactiquement tout est préparé, ça devrait en tout cas au moins rivaliser, quoi. Pas revivre le cauchemar de l'an dernier contre les Anglais, qui là avait été un naufrage tactique, en fait, plus que humain. Moi, je suis en train de regarder la météo, parce que je pense que ça va être quelque chose d'important. On est encore loin, mais ils annoncent un temps un peu pluvieux tout le week-end, mais pas de pluie au coup d'envoi. Et je pense que moins il pleuvra, plus ce sera bien pour l'équipe de France. Je suis en train de perdre mon casque. Plus ce sera bien pour l'équipe de France, parce que l'équipe de France, elle a un potentiel offensif à exprimer, davantage qu'un potentiel stratégique. En tout cas, c'est l'impression qu'on peut avoir avant le coup d'envoi. Et ce potentiel offensif, et pour ceux qui s'expriment, il faudra un ballon qui glisse pas trop, quoi. Donc, ça dit pas mon pronostic, mais c'est ma manière de te répondre. Mais c'est très bien. Dom, tu crois qu'ils peuvent les prendre un petit peu de haut, peut-être, non, les Français, les Anglais, du coup? Franchement, je sais pas, mais moi, je crois que aussi, moins il pleuvra, plus ça sera bien pour les Anglais, parce qu'eux, ils veulent mettre de la vitesse et... Avec un ballon mouillé, c'est aussi compliqué. Donc mais ils ont plus d'armes stratégiques pour faire plus de jeux au pied, c'est surtout ça. Après, moi, je pense que la clé, c'est la tête des Anglais. Je pense que les Anglais, s'ils ont bien digéré leur défaite en Coupe du Monde, ils seront durs à battre. Mais après, c'est vrai que l'équipe de France, elle part sur un cycle, c'est hyper enthousiasmant, la dynamique qui s'ouvre, la Coupe du Monde 2023, une nouvelle équipe, des nouvelles méthodes. Donc, ça serait chouette qu'ils y arrivent. Ça donne envie de le voir. Une certitude, c'est que ça donne vraiment envie, quoi. Envie de regarder, d'y être, comme un peu tout ce qui est nouveau, mais en plus, ce qui est nouveau, avec derrière, on sent, on en a déjà parlé un peu, mais un projet construit, on sent du talent et ça donne envie de voir. Eh bien, très bien. Effectivement, nous avons envie, donc nous verrons ça dimanche. Merci Renaud, on va te laisser retourner fourmiller dans ta ruche. Hein. Exactement. Fais le buzz. Merci à tous, c'était Crunch, une émission de la rédaction de L'Équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre Bardot, Dominique Isartel et Renaud Bourrel. Merci à Roland Richard, à la technique et à l'édition. Vous nous retrouvez tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.